Je sais pas, non, on va changer de discussion, c'est bon, j'ai attaqué à filmer. Donc voilà, maintenant on se retrouve avec l'équipe de France, donc des seniors on va dire, des grands qui sont avec nous, des mecs qui ont des épaules aussi apparemment, on vient de me dire. Voilà. Donc je suis ravi de vous retrouver ici les gars, forcément vous venez ici pas pour faire figuration, bien au contraire. On a Kiki qui vient là, qui a pas fait la finale du mondial mais qui vient faire la manche en équipe à l'Europe. Quel est votre objectif les gars forcément ici sur cette finale et cette course par équipe? La victoire, il y a deux grosses équipes on va dire, les Allemands et les Italiens, mais ouais. On a nos chances, on va essayer. Il faut de toute façon, ouais. Hein, pas trop le choix. Hein. On a rien à perdre de toute façon. Pas trop le choix. Donner, et puis, on verra bien, il y en a un qui boite un peu. Ouais. Non mais ça va, rien de grave. Donc tout va bien. Juste que ça se chauffe, après gaz. Oui, il faut bien. Bah, c'est vrai que tu t'étais un peu abîmé à la super test au mondial là, il y a 10 jours, un peu plus maintenant. Donc comment tu le sens? Ça va bien? Ouais, juste faut que je roule une petite heure, après on va le tirer la douleur. Un petit peu de temps avant et c'est bon. Et c'est bon, et puis ça passe. Ouais. Ok. Et notre ami Kylian, du coup, je crois que tu l'avais déjà fait l'année dernière, non, cette finale, ici? Enfin, ouais, je veux dire sur le championnat d'Europe, ouais, en Hollande. En junior. Ouais. Voilà, bah, comme ils ont dit les collègues, faut se donner, rien regretter. Mm-hmm. Les spéciales sont belles, assez longues, un peu sablonneux, ça biche. Bon, si ça te plaît alors, tu vois, c'est pas le Pays Basque, mais bon, quand même, il y a un peu du sable. Pays Basque, mais c'est quand même cool. Bon, très bien. Et on a notre ami Arnaud Zoldos, hein, qui est ici, là. Forcément, vous les deux frères Zoldos, vous aviez fait la Finlande. J'arrive pas à me souvenir si vous avez fait tout le championnat. Je crois pas la première en... J'ai fait tout le reste de l'Europe, mais okay. La première, je m'étais fait opérer les poignets. Voilà, c'était ça. Une ancienne chute. Mm-hmm. Mais maintenant, tout est bon. Que ce soit Thomas, David ou Kylian, on s'est roulé dans le sable et c'est un peu sablonneux. Mmh. Du coup, ouais, bah, après, ça va bien se passer. Notre quatrième ici, il est quand même breton, donc il a déjà dû croiser du sable un petit peu. Donc. Ouais, il faut bouger un peu pour ça. Parce qu'on va dire, après, c'est pas vraiment que du sable, il y a beaucoup de cailloux aussi. Mmh. Et bon, les Allemands, ils aiment bien faire quelques petits trucs de merde. Même au dernier moment, donc on les connaît. Ouais, il paraît qu'il y a encore des traces qui ont changé dans l'enduro, on parlait de ça tout à l'heure. Donc peut-être qu'on ira voir cet après-midi. Vous allez encore marcher, non, de toute façon, aujourd'hui? On va mettre la moto au contrôle, après... Petite sieste et... C'est ça. Et petite ligne quand même. Bah, il faut pas oublier la petite sieste et après la ligne, elle va passer toute seule. Bon, merci beaucoup en tout cas les gars, on se revoit un peu plus tard. Merci. Apparemment, toi, tu sais tout. Alors, concernant l'organisation, c'est une boucle en trèfle, donc 3 CH, okay. 1 refueling et 2 avec l'assistance. Super. Et donc là, il n'y a pas de sonnerie, parce que comme tu peux voir, on est dans une belle enceinte, une vieille enceinte fortifiée, et ça sera demain lors de la course, sûrement. Ok. Il a le pied à coulisse au cas où pour mesurer le silencieux, s'il n'est pas trop gros, tu vois. Putain, on voit que toi, t'as l'expérience quand même. On fera pas de vanne. On voit que t'as l'expérience. Et ton casque, il est fissuré, toi aussi, ou pas? Alors, normalement, non. Normalement, non. Mais bon, on verra. Merci Léo pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Après, il m'a dit qu'il avait le pied tout bleu. Ensuite, ouais. Il a croisé deux ex, il a pris une salle. Sorry, it's a cable for a machine. Ah, une machine. Ok. So you on the right side. Ok. Je crois que c'est collé. Bon, en tout cas, toi, elles t'ont pas dit have a nice day. Bah, je sais. Ok. Thank you. Toi non plus, elles t'ont pas dit. Hein. Non, je suis moche. En
tout cas, moi j'adore de plus en plus ta coiffure. Ah, c'est beau. Hein. Franchement, tu nous fais vraiment quelque chose à chaque fois. Je suis vraiment, tu vois, surpris. Je te fais de l'effet. Vraiment, de plus en plus, c'est bizarre. Il faut vraiment que j'aille en vacances. Come from North here. There's one. Can fix it on the right side. Also die 194 fährt noch mal vor, ne? Ja. Ça va, Mathias? T'as vu sa décriture de. Oh. Wow. On voit le mec qui va souvent à l'école. Putain. Ça va ou quoi? Impeccable. Ouais. Pleine vérification. Bon, t'as pas le casque cassé, toi, j'espère? Non, justement, on a un peu repeint pour enlever les. Les fissures. Les fissures. T'as ça, t'es un peu dans le bâtiment, toi, non? Ouais, c'est ça, un peu mastiqué, siliconé, et ça sent pas. Percap. Attention, on n'enlève pas la casquette, hein. Attention. Ouais, j'ai un peu peur. Ça paye du seigneur. Ça, c'est une tête chaude, ça. Ça, c'est une tête très très chaude, ça. Chaude. La peinture, hein. Ça aurait été bien. C'est en cours, ok. C'est au fin fond de la tête. Tâche de GoPro. Ah, ça, c'est des coups humains. Putain. Oh là là là. Et tout ce travail que vous faites chez Zoldos, moi, j'aimerais bien savoir. T'as vu un peu, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Thank you. T'as vu cet anglais un peu? Yow. Thank you. Okay. Vérifie que ça démarre, tu vois. Ils sont sympas, quoi. Ouais. Sinon, ils veulent te dire change la bougie. Hein. Ouais, parce que si, ouais, beuh.